Ça, c'est une très bonne question. Non, ça c'était. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Quel est votre animal fétiche? Le lion. Le roi des animaux est toujours sympa. La captivité des animaux, ça ne vous dérange pas? Ça ne me dérange pas parce que ce sont pour la plupart des animaux qui en liberté sont en grand danger, en voie de disparition. Et donc je crois que dans un parc comme celui-ci, ils sont bien plus à l'aise et ça nous permet en tout cas de travailler sur des projets, de les réinsérer dans la nature. Le point commun entre un aéroport et un parc animalier? La taille des oiseaux, ils sont un peu plus grands dans un aéroport. Extraordinaire en plus. T'as vu ça? Ça, c'est du just in time. Hein. Vous auriez voulu être un artiste. Quel est votre artiste préféré? Claude Lelouch. Plutôt quelqu'un qui crée des spectacles, c'est mon rêve. Qu'est-ce qui vous insupporte le plus dans la vie quotidienne? Ceux qui se vantent, qui veulent toujours mettre en évidence tous leurs mérites, tous leurs diplômes. Ça m'énerve. Là maintenant, c'est Semel ou Chocoprince? Alors là, c'est les deux parce qu'ils vont bien ensemble pour moi. J'adore mettre un petit morceau de Chocoprince et puis un petit peu de CCML dans la bouche, c'est délicieux. Je le conseille. L'amitié dans les affaires, ça ne marche jamais. Vrai ou faux? Complètement faux. Ça a été une clé de mon succès aussi. La Wallonie en 2030 sera? Ça sera, j'espère, des gens ambitieux qui veulent se battre, qui veulent montrer qu'on est capable de faire de grandes choses. Et j'espère qu'ils penseront toujours à moi pour m'amuser un peu avec eux. Où se situe votre carrière sur le W de Wallonie? Eh bien, ma carrière, elle est extraordinaire parce que c'est vraiment l'image que vous donnez. Bon, j'ai été là, je me suis retrouvé là, j'ai été là, je me suis retrouvé là. Pour l'instant, bon, je suis pas trop mal. Mais je me fais pas d'illusions, je suis pas inquiet de revenir là, voilà. C'est ça une vie, c'est de savoir qu'il y a des moments hauts, des moments bas et savoir rebondir. C'est fondamental. Excellent ça, excellent. Merci. Je peux vous dire, dans 3 jours, il n'y a plus.